Aujourd'hui, je vous ai préparé un cocktail pour la Saint-Valentin, mais pas pour la soirée de la Saint-Valentin, mais plutôt pour le brunch le lendemain. Parce que si ça s'est bien passé, il va y avoir un brunch le lendemain! Donc, on va commencer dans un shaker, on va mettre un peu de tequila. On va prendre la 1800 Blanco. Donc, seulement 0.5 once, c'est juste pour dire qu'on se réveille bien. Ensuite, on va y aller avec la liqueur mandarine Napoléon. Et là, ça, c'est une liqueur de mandarine qui est sur une base de cognac. Donc, c'est assez sucré, mais il y a quand même une belle amertume à la fin. Donc, c'est vraiment intéressant en cocktail. On va y aller pour une once. On poursuit avec la purée de pêche. Ça ici, ça va être pour une once. La purée de pêche, c'est super facile à faire. On prend un sac de pêche congelé, on les décongèle, on met ça au blender avec un peu d'eau, un peu de sucre, juste pour la texture. On poursuit avec le jus d'une orange sanguine, parce que là, ils sont en saison. Mais si jamais vous le prenez à un autre moment de l'année, une orange ou un pamplemousse, ça va super bien faire. On y va pour une once également. Le jus d'orange. Et voilà, dernière étape, on va ajouter du sel, juste un petit peu, juste pour réveiller les saveurs. Moi, c'est un sel épicé, mais ça, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez y aller avec le sel que vous voulez. On met de la glace dans le shaker, puis on va donner un bon shake pour refroidir tout ça. Okay. On prend un grand verre rempli de glaçons et on vient filtrer notre cocktail à l'intérieur. Vraiment une belle couleur. C'est parfait pour le brunch, mais ça serait aussi super bon pour le dîner, ce cocktail-là. Voilà. Et la touche finale, on va y aller avec des bulles. Donc, on vient allonger notre cocktail. On donne un petit coup de cuillère là, pour être sûr qu'on mélange bien toutes nos saveurs. On va garnir d'une orange sanguine. La très sensuelle orange sanguine, voilà, avec une paille. Ben, j'y goûte. Avec la petite touche de zonin, c'est vraiment parfait, c'est effervescent, ça va être parfait pour votre brunch. Bonne Saint-Valentin!